allez bien? Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Ukulélé où je vais vous apprendre comment jouer les accords les plus fréquemment utilisés, ce qu'il faut apprendre en premier quand on débute selon moi. C'est les accords que moi je maîtrise pour le moment et qui me permettent de jouer plein de chansons différentes. Dans la vidéo, j'ai classé ces accords dans l'ordre dans lequel je vous conseille de les apprendre si vous commencez tout juste le ukulélé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira et vous sera utile et on commence tout de suite. Les quatre premiers accords à apprendre qui reviennent dans beaucoup de chansons sont le C, le A mineur, le F et le G. Pour jouer un C, vous allez placer votre majeur sur la première corde 3e fret. Pour jouer le A mineur, on place le majeur sur la première corde 2e fret. Pour jouer un F, on garde le majeur sur la 4e corde 2e fret et on place l'index sur la 2e corde 1er fret. Pour jouer un G, on place le majeur sur la première corde 2e fret, l'index sur la 3e corde 2e fret et l'annulaire sur la 2e corde 3e fret. Ensuite, je vous conseille le D mineur que vous pouvez apprendre de deux manières différentes. La première en plaçant l'index sur la 2e corde 1er fret et en pressant le majeur sur la 4e et 3e corde de la 2e fret. Ou bien si vous n'arrivez pas à presser deux cordes avec le majeur, vous pouvez garder le majeur sur la 4e corde et utiliser votre annulaire pour la 3e corde. Ensuite le E mineur avec l'index sur la 1er corde 2e fret, le majeur sur la 2e corde 3e fret et l'annulaire sur la 3e corde 4e fret. Ensuite on a le D. Pour ce faire, j'utilise mon index sur la 4e corde 2e fret, le majeur sur la 3e corde 2e fret et l'annulaire sur la 2e corde 2e fret. Ensuite on a le A majeur. Pour ce faire, j'utilise mon index sur la 3e corde 1er fret et mon majeur sur la 4e corde 2e fret. Et enfin, si vous maîtrisez bien les 8 premiers accords, je vous conseille d'apprendre le G7 avec l'index sur la 1er corde 1er fret, le majeur sur la 3e corde 2e fret et l'annulaire sur la 2e corde 3e fret. Et pour terminer, le E7 avec l'index sur la 4e corde 1er fret, le majeur sur la 3e corde 2e fret et l'annulaire sur la 1er corde 2e fret. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était les 10 accords que je vous conseille d'apprendre en premier si vous commencez l'ukulélé. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile pour progresser. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions et même partager vos propres conseils dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de lire tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous en voulez plus sur le ukulélé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao !